essentiellement, la première motivation, c'est déjà apporter le même service à tous les habitants. C'est-à-dire que la problématique de la fracture numérique présente sur tous les territoires et surtout sur celui-là, c'est-à-dire encore plus, puisque les centres-bourgs pouvaient avoir de l'Internet au débit et que tous les autres n'en avaient pas. Et donc, du coup, la première réponse à donner était d'apporter à l'ensemble des habitants la possibilité d'avoir de l'Internet au débit. La technologie, pour autant, est quand même différente. Nos confrères utilisent un câble, utilisent la ligne téléphonique, ou vont utiliser bientôt la fibre optique. Nous, nous mettons en place une solution basée sur de la radio terrestre, c'est-à-dire des équipements radio qui se positionnent sur les clochers d'église, enfin en haut des clochers d'église, sur le toit des châteaux d'eau, et qui de proche en proche d'une zone où l'accès Internet haut débit existe, amène ce haut débit vers des zones de couverture où le haut débit n'existe pas. Il y a évidemment apporter le service aux habitants. Il y a après se profiler sur l'avenir. Alors nous, on est un territoire proche d'ITER, donc on est à la fois à côté de tout ce qui est plus en avant de l'innovation technologique et en même temps, on en est exclu. Donc il y a aussi une volonté de développement éco, puisqu'on parle de zones d'activité qui vont pouvoir du coup avoir des labels avec un très haut débit, avec des valeurs ascendantes et descendantes de débit qui permettront l'installation d'entreprises qui s'intègrent très bien au paysage, puisqu'on a ces valeurs-là aussi à mettre en avant, c'est-à-dire préserver notre paysage qui est notre première richesse. On a aujourd'hui une structure de service à la personne sur le territoire qui donc impacte énormément d'un point de vue culturel, les conseils municipaux, les élus, et qui du coup oblige à se poser des questions sur quelles peuvent être les services de demain pour les personnes âgées, les personnes en difficulté, comme la circulation d'informations de façon générale sur des territoires qui sont complètement explosés, puisque l'habitat est très très diffus. L'intérêt de cette technologie, c'est que l'on va cibler directement les zones où le débit est faible ou voire inexistant. Donc on va positionner les équipements là où c'est utile. Les coûts sont ceux du marché, globalement sont ceux du marché. On s'approche très près du marché et après là on aborde une seconde tranche qui va nous permettre donc où le backbone, enfin la point de collecte sera sur de la fibre optique. Donc on va étudier par rapport aux nouveaux coûts de collecte pour donner le meilleur service possible. Aujourd'hui sur l'offre à 8 mégas, on est à 30 euros d'accès à internet. La société Xylan développe une solution pour donner l'accès à Internet au débit via un réseau hertzien. On travaille avec la société Motorola, bien connue dans le monde, qui a développé une solution en propre pour pouvoir fournir de tels accès et construire des réseaux qui permettent ainsi des débits allant jusqu'à 20 mégabits par seconde facilement pour tout un chacun qui veut s'abonner au service. On a installé le réseau ici sur la communauté de communes de Verdon-Montmajor parce qu'elle a lancé un appel d'offres et qu'il nous a semblé intéressant de venir répondre avec notre solution que l'on pense être non seulement pérenne, mais de grande qualité pour fournir un service de qualité aux habitants. Et nous allons donc maintenant partir sur une deuxième tranche de construction de ce réseau, un développement plus important encore qui va te permettre de doubler la surface de couverture du réseau actuel. Nous sommes aussi présents dans d'autres régions françaises, le sud-ouest, le nord de la France, où cette solution tourne déjà depuis 2006 avec des résultats extrêmement intéressants et extrêmement fiables en tout cas.